est l'instrument, Seigneur, que tu envoyais, tu enverras encore ce matin pour cela. J'élève, Seigneur, je glorifie ta majesté parmi nous. Et que vraiment encore, Seigneur, ta parole que tu mettras dans ma bouche ne revienne point à toi sans avoir accompli son dessein. Exécuter ta volonté. Je me soumets, Seigneur, également sous ta volonté. Sous ta main toute puissante, Seigneur, comme le gant que tu as choisi comme instrument et dont la main est ton Esprit Saint. Dirige-moi, conduis-moi, mets les paroles dans mon cœur, afin qu'ils montent et arrivent dans ma bouche, qu'ils sortent comme un feu dévorant, afin de faire une œuvre salvatrice dans chacun ici présent, mon Dieu. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Que ton onction repose sur moi ce matin, afin que je sois ton porte-parole, Père. Toute la gloire te revient. C'est au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié et te glorifie, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je bénis le nom du Seigneur parmi nous ce matin et je bénis chacun de vous, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Car je sais le Seigneur t'a conduit ici parce qu'il veut te parler. Peut-être il t'a déjà parlé, mais peut-être aujourd'hui, ce sera une manière plus audible dans ton cœur. Dispose-toi, ouvre ton cœur et glorifie ton Dieu. Amen. Jésus est Seigneur. Nous allons ouvrir le livre de Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Nous allons prendre à partir du verset 22. Plutôt 23. Je reviendrai tout à l'heure sur les précédents versets. C'est Jésus qui parle. Amen. Jésus dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Donc, Jésus parle du royaume des cieux. Quand il s'agit du royaume des cieux, et particulièrement dans les paraboles, plus particulièrement, Jésus vise l'Église et les chrétiens. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui rentrent dans le royaume de Dieu. Si les païens ne veulent pas, ils vont rester dehors. Et c'est ainsi. Il y a ceux qui sont dans le royaume, et il y a ceux qui sont dehors du royaume. Sache que si tu es dans le royaume, tu es à la bonne place. Parce que tu chemines vers une destinée éternelle qui est le paradis céleste. Mais si tu n'es pas encore rentré dans le royaume, tu es à la mauvaise place. Et ne laisse pas la mort te frapper en ayant tes deux pieds hors du royaume. C'est ma prière ce matin pour chacun de nous. Mais ce matin, ce n'est pas du royaume que Jésus m'a conduit à vous parler. Loin de là. C'est du pardon. Amen. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Considère le roi, c'est Dieu, c'est Jésus.
qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Les serviteurs, c'est toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Éphésiens 5 nous le dit. Usez d'amour en devenant serviteurs les uns des autres. Amen. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Alléluia. 5 000 000. Alléluia. D'euros. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que sa dette soit acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, 10 euros. Alléluia. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier la dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais pas-tu aussi avoir pitié de ton compagnon comme je l'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste, frères et sœurs, quand Dieu dit « C'est mon Père céleste », vous traitera. Ça veut dire que pendant Jésus parlait aux disciples, ils étaient considérés comme enfants du Père céleste. Et Jésus est très sérieux. Jésus n'est pas un homme, un plaisantin. Jésus ne parle pas à la légère dans ses paroles et dans ses propos. Donc on prend bien ce matin ce message pour toi. Et moi ce matin. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Pas à demi. Pas lui pardonner pour finir avec lui. Non. Un vrai pardon pour mettre la pendule et le registre de compte à zéro. C'est ce que ça veut dire. Amen. Je vous disais dimanche, dans la prière de Matthieu 6, verset 12, je crois, Jésus disait, pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le mot péché, qui est grec, qui est traduit par péché, par offense, en grec c'est le mot oba. Ça veut dire dette, l'offense. Alléluia. Non, ça veut dire si tu remets pas les dettes des offenses de ton frère ou de ton prochain, Dieu ne te remet pas non plus tes dettes que tu lui dois. Ça, c'est l'équation du pardon de Dieu. Amen. Et je vous ai démontré, dimanche dernier, dans Luc 17,
que Jésus a parlé de deux situations. Ceux qui veulent pardonner parce qu'ils n'ont pas le choix. Et mieux vaut que tu n'aies pas le choix. Heureusement, Dieu nous oblige, nous ordonne que si quelqu'un nous offense, la personne vient s'excuser, nous n'avons pas le choix. Qui ou aime tes tailles, qui ou aime tes tailles, ou obligé de pardonner. C'est un ordre, une obligation. Tu n'as pas le choix. Donc ça veut dire nous sommes contraints à faire quelque chose que nous ne voulons pas. Alléluia. Vous me direz, oui, pasteur, même si ton frère, parfois mon frère, ma soeur, si vous êtes sérieux, vous allez lever le doigt, ce que je vais dire, mais ne levez pas le doigt. Ça vaut mieux. Soyons sages. Lorsqu'on nous offense, nous pardonnons. Est-ce que c'est pas nous sommes contraints à le faire ou vraiment le faire avec un cœur désirant gagner celui qui nous a offensé? Là, nous le faisons parce que nous n'avons pas le choix. Tu es obligé, s'il vient s'excuser. Alléluia. Mais par contre, si tu offenses, il ne vient pas s'excuser, tu lui pardonnes. Là, c'est la loi de la grâce. Le Seigneur a défini la loi, les principes de la loi et les principes de la grâce. Dans Luc 17, je crois le verset 40, par Jésus a mis la barre plus haute, je vous disais. La loi t'impose même ce que tu ne veux pas. C'est ce que Jésus a dit. Que si ton frère a péché, il s'excuse, pardonne-le, tu n'as pas le choix. Dans le grec, c'est un impératif, c'est un ordre. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Parce que même si Jésus sait le cœur, même si on nous demande pardon, des fois, nous n'avons pas qu'à pardonner. Nous, quand il dit, maintenant, pardon, mais il peut toujours attendre. En cœur, nous. Ainsi de suite. Mais la loi de la grâce t'oblige pas. Il t'impose pas. Il te laisse le libre arbitre. Et c'est ça que Jésus a expliqué. Je le reprends. Prenons Matthieu, Luc 17. Jésus avait déjà parlé jusqu'au verset 6 du pardon conditionnel, mais il parle maintenant du pardon inconditionnel. Il dit, de qui de vous ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi un beau souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Non. Il était payé pour cela. Quand tu pardonnes ton frère, ma soeur, voici ce que Jésus enseigne. Quand tu pardonnes ton frère, ta soeur, parce qu'il est venu s'excuser, est-ce que tu mérites quelque chose? Non. Tu as fait ce que moi je t'ai obligé. Tu es obligé de lui pardonner en retour. Amen. Donc il n'y a rien d'extraordinaire que tu as fait. C'est la loi du talion. Œil pour œil, en quelque sorte. Amen. Mais la loi de la grâce, Jésus vient maintenant sous la loi de la grâce. Amen. Pardon pour pardon. Si vous ne pardonnez pas, mon Père ne vous pardonne pas. Pardon pour pardon. Alléluia. Jésus dit maintenant, vous de même,
quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné. Ordonné quoi? Ce que Jésus venait d'expliquer précédemment à Pierre. Comme on t'a ordonné, si ton frère a péché contre toi, il est venu s'excuser. Tu n'as pas le choix, je t'ordonne, tu es obligé de le pardonner. C'est un ordre. Donc, tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et ne te glorifie pas. Ne te vante pas du lendemain. Tu n'as rien fait du tout qui plaise à Dieu. Parce qu'on est venu te demander pardon. Tu n'as aucune gloire à tirer. Tu étais comme si tu étais payé pour cela. Alléluia. Parce que si tu t'entêtes à ne pas le faire, tu ne rentreras pas dans mon royaume. Donc tu n'as aucune gloire à tirer. Mais Jésus dit, vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous avait été ordonné, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus t'appelle, mon frère, ma soeur, un serviteur inutile. C'est ce qui exige de pardon pour pardonner. Jésus t'appelle, il m'appelle un serviteur inutile parce que tu as fait ce qui t'a été demandé. Exige un pardon. Mais si tu pardonnes au-delà de ce qui t'a été demandé, tu es un serviteur utile pour son royaume. Voici ce que Jésus explique, le pardon inconditionnel. Alléluia. Et c'est pour cela, d'ailleurs, quand Jésus a dit, Pierre, il faut pardonner 490 fois, Jésus voulait dire, il n'y a pas de barème. Pierre a dit, Jésus, ordonne notre foi. Pourquoi? Parce que Pierre dit, ça, son dimension surnaturelle. Ordonne-nous notre foi. Amen. Donc, vous comprenez, frères et sœurs, ça s'appelle le pardon inconditionnel, comme Dieu nous a pardonné en Jésus. Ne cherche pas quoi que ce soit. Pardonne de tout ton cœur. Et finis avec ça. Après, c'est tout. C'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 5. Notez. Alléluia. Il dit, moi je vous dis d'aimer vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Un ennemi, quelqu'un qui te maudisse, il va te choquer, il va venir s'excuser. Mais non. Jésus te dit d'aimer tes ennemis, de bénir ceux qui te maudissent, de faire du bien à ceux qui te haïssent. Quelqu'un qui te haïsse, il va venir s'excuser. Mais c'est haï-haï-vous. Il peut me voir tête à. Fais du bien à ceux qui vous haïssent. Après, moi, quand dit, c'est Jésus qui a dit. Est-ce que Jésus met un fardeau sur moi? Est-ce que Jésus dit, baisse ton cou, je vais mettre un joug que tu ne pourras pas porter? Non. Il a dit, son joug est léger et son fardeau est facile. C'est recevoir mes instructions. Si tu les mets en pratique en valeur, demande Dieu grâce, il te fera le porter et tu pourras. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Priez pour eux. Est-ce que quand tu rentres chez toi, quelqu'un te maltraite, ton voisin, sans cesse, et te provoque quand tu rentres chez toi, tu pries, Père, j'ai péché aujourd'hui. J'ai fait ça, je te demande pardon. Je sais que ce n'était pas bien. Tu entends la voix du Saint-Esprit dans ton esprit te dit, et ton voisin, il te maltraite, il te persécute. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu as déjà ouvert ta bouche devant mon trône pour prier pour lui, pour prier pour elle? Frères et sœurs, est-ce que nous entendons pas ça parfois qui fait écho? Frères et sœurs, lorsque nous ne pardonnons pas, nous nous mettons à genoux devant le trône, nous sentons le ciel fermé sur notre tête.
Vous n'allez pas me dire le contraire. C'est une réalité. Vous allez sentir le ciel fermé sur vous. Et vous allez sentir vos prières faire comme yo-yo. Il touche le plafond de votre chambre et retombe. Alléluia, ça ne monte pas plus loin. Parce que la loi de la grâce n'est pas manifestée dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez, dans Matthieu, le Seigneur dit, parce que si nous aimons, Matthieu 5, si nous aimons ceux qui nous aiment, quelle récompense méritons-nous? Les publicains n'agissent-ils pas pareil? Le publicain, c'est celui qui visait la loi, dit tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est le publicain qui dit ça. Jésus dit, mais quelle récompense mérites-tu? Si tu aimes celui qui t'aime, mais les publicains réagissent pareil. Et si tu dis bonjour à tes frères, qu'y a-t-il d'extraordinaire? Les païens ne réagissent-ils pas pareil? Donc Jésus mettait l'accent, frères et sœurs, parce qu'il connaît l'homme, l'homme exige quelque chose. Et regardez encore, vous savez, bien souvent, ces gens de paraboles, on ne les épluche pas pour les manger. Mais je vous conseille de bien éplucher les divers paraboles de Jésus. Parce que Jésus parlait qu'aux chrétiens et de l'Église. Et il y a plus d'avertissement de ne pas rentrer dans le royaume que de rentrer. Parce que Jésus mettait la barre très haute. Parce que nous, chrétiens, nés de nouveau, nous sommes animés de l'amour agapé divin qui vient de Dieu, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Nous ne pouvons pas vivre comme le monde. Nous qui avons les moyens que le monde n'a pas, l'Esprit de Dieu en nous. Et Jésus a illustré quelque chose encore. Dans Matthieu 5, il dit que si quelqu'un te porte procès contre toi, il veut ta tunique, laisse-lui aussi ton manteau. Ne laisse pas à ceux qui te réclament. Pour garder la paix, donne-lui aussi ton manteau. Il a dit, si on t'ordonne, écoutez bien, Jésus a dit, si on t'ordonne de faire 1 000 avec moi, c'est un ordre. Et je vais t'expliquer pourquoi Jésus dit ça dans Matthieu 5. Il a dit, si on vous ordonne de faire 1 000 avec moi, faites-en 2 000. Alléluia. Vous savez, 1 000, c'était une valeur, une mesure romaine. C'était à l'époque de Rome qui, dans des territoires conquis. Donc, un légionnaire romain était autorisé. C'était un ordre, frères et sœurs. Donc, Jésus fait le parallélisme. Lorsqu'il te donne un ordre, tu n'as pas le choix de pardonner si on te demande pardon. Et la liberté de la grâce qui t'oblige à aller au-delà du conditionnel. Un légionnaire romain avait ordre, frères et sœurs. Il était autorisé, lorsqu'il venait, d'arrêter et de saisir n'importe quel passant, citoyen. Il était autorisé et la personne ne devait pas refuser de dire, j'ai ma valise, tiens, et tu portes ma valise, mon fardeau, jusqu'à 1 kilomètre pour moi. C'est ce qu'on appelle en romain 1 000. 1 kilomètre, ça veut dire 1 000. Donc le citoyen
n'étaient obligés de le faire. C'était un ordre. Ils avaient autorité de cela, le légionnaire romain. Celui qui prenait sa valise, il la portait à 1 kilomètre et il le déposait. Le légionnaire se saisissait de quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'il arrivait. Mais Jésus nous dit, si on t'ordonne de faire 1 mille, va et fais 2 mille. Ça veut dire que celui qui avait cette charge, lorsqu'il a fait 1 kilomètre, même s'il est soufflé, il dit au légionnaire, je suis soufflé, c'est fatigant, mais je te fais encore, je fais 2 kilomètres pour toi. Alléluia. Il peut aller encore plus loin. Est-ce que ce matin, tu peux aller plus loin que le pardon qu'on te conditionne pour être pardonné? Voici ce que Jésus, le message ce matin. Jésus te dit, il fait le parallélisme. Quand il te demande de pardonner, si on te demande, on te pardonne, on s'excuse. Tu as fait 1 mille parce que ça a été ordonné, tu n'as pas le choix. Si un citoyen qui était saisi, réquisitionné par le légionnaire, refusait, il était sanctionné par la loi romaine. Frères et sœurs. Donc c'est la même réalité. Si tu obliges, si tu refuses, tu es sanctionné par la loi du ciel, tu ne seras pas pardonné non plus. Mais tu peux aller au-delà. Tu peux aller plus loin de ce qui t'a demandé. Pardonne sans condition. Voici l'exemple de ça. Fais 2 mille au lieu de 1 mille. Ce qui t'a ordonné, tu le fais maintenant de toi-même. On ne t'a rien donné. On n'ordonnait pas de faire 2 mille. Même si le légionnaire disait, tu m'as amené, tu as fait 1 kilomètre pour moi, fais, je t'ordonne de continuer. Le citoyen disant non. C'est 1 mille, je m'arrête là. C'est ce que la loi prescrivait, la loi romaine. Mais tu pouvais aller au-delà, tu pouvais dépasser ce qui t'a demandé. Est-ce que ce matin, tu es capable de dépasser le pardon qu'on doit venir, tu exiges, et aller au-delà? Voici la question que Jésus te pose ce matin. Alléluia. Si on t'ordonne de faire 1 mille, fais-en 2 mille. Ton frère t'a choqué. Ta soeur t'a choqué. Ton mari t'a choqué. Ta femme t'a choqué. Tes enfants t'ont choqué. Tes parents sont choqués. Ton collègue t'a choqué. Ton patron t'a choqué. Ton voisin t'a choqué. Tu attends au retour. Il vient de s'excuser. Passe l'éponge. Et continue. Oublie ça. C'est ça que Jésus t'a dit ce matin. C'est le message du Seigneur ce matin. Parce que tu vas commencer à enregistrer sur le carnet de tes comptes, sur le registre des comptes. Et il va commencer là, tu vas commencer à écrire et tu ne vas pas t'arrêter. Tu ne vas pas t'arrêter. Frères et sœurs, Habacuc, chapitre 2, verset 6. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ne crois-tu pas que ton créancier ne se réveillera-t-il pas subitement? Eh bien, c'est ça que nous allons voir dans la parabole du roi qui a demandé compte à ses deux serviteurs. Voici ce que ça veut dire. Les dettes d'offense. Celui qui t'offense, c'est un débiteur. Il te doit des dettes. Tu es son créancier. C'est ça que ça veut dire, le contexte du mot « oba » en araméen que Jésus a cité dans Matthieu, chapitre 6, verset 12. Nos offenses, « oba », dette d'offense. Alléluia.
Voici le concept d'Oba, le mot araméen, Oba, ce mot araméen, frères et sœurs. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Combien de dettes tu as sur ton registre, mon frère, ma soeur, ce matin? Jésus te parle. Combien d'offenses, de dettes tu as inscrites jusqu'à aujourd'hui dans le registre, le tiroir de ton cœur, parce que tu n'as jamais pardonné? Combien d'offenses tu portes aujourd'hui dans ce registre? L'Éternel te dit par la bouche du prophète Habacuc, malheur à toi, parce que ton créancier, Jésus-Christ le Père, se réveillera un jour et va ouvrir le registre. Et il va faire la comparaison. Pourquoi ton registre a tant d'offenses que je n'ai pas encore pardonné? Parce que dans le registre de ton cœur, il y en a autant, sinon plus. Donc, comprenez bien ce conseil. Et c'est ce que Jésus a illustré dans cette parabole. Amen. Revenons à Matthieu 28. Matthieu chapitre, 18. Cette histoire met en scène un roi païen. Mais dis-toi bien, Jésus illustra, mais le roi même c'est lui-même et Dieu le Père. Considère ça spirituellement. Comme l'étaient les rois de l'Égypte avant que leur pays ait été conquis par les Romains. Leurs visiteurs, je vous explique ce qui se passait à l'époque que Jésus raconte cette parabole. Les serviteurs de ce roi jouissaient d'une situation plus favorable que la plupart des hommes libres. Et c'est normal. Nous jouissions aussi des situations plus favorables dans le royaume de Dieu que le monde, c'est normal. Nous avons et nous possédons beaucoup de choses et de libertés que le monde n'a pas. Donc c'est la même réalité. Donc, ce qu'on appelle les satrapes provinciaux faisaient partie des serviteurs du roi. Les satrapes, ce sont des hommes despotiques vivant dans le plaisir. Alléluia. Donc, ce sont ces hommes, les satrapes provinciaux, qui, eux, collectaient les impôts dans les provinces. Amen. Ils avaient une certaine liberté de gérer les sommes et d'en empocher une partie à leur profit. C'est la même chose pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es serviteur de Jésus, moi aussi. Tu as la liberté de collecter les dettes, de remettre ce que tu as collecté à Jésus et d'empocher une certaine somme également. C'est ça que Jésus explique dans la parabole. Parce que Jésus n'a pas changé de sujet, il est toujours dans le pardon. Donc ces hommes, les satrapes provinciaux, c'est eux qui collectaient les impôts dans les provinces. Ça veut dire qu'ils avaient cette liberté. Pas la loi l'exigeait, leur donnait droit, mais selon eux. Ce sont des despotes. Ils détournaient certains fonds. Ça veut dire que si ils vont chez la sœur devait 100 euros, ils collectent les 100 euros, mais au lieu de rendre le roi 100 euros qu'ils ont collectés, ils repochent 40 euros dans leur poche et ils donnent 60 euros. Amen.
Donc c'est la même réalité, mon frère. Jésus n'a pas changé, il parle du pardon. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ça veut dire que Jésus nous montre, tu as la liberté de pardonner, ne pas pardonner, ça c'est ta liberté, mais les conséquences sont là. On te fait 10 offenses, tu choisis les offenses qui te plaisent et qui te déplaisent. Donc tu choisis de pardonner qui tu veux, quand tu veux et à quel moment ça te plaît ou pas. Donc tu as la liberté, tu choisis aussi de pardonner la personne qui t'offense 10 fois, de pardonner que 4 offenses et de retenir 6 offenses dans le registre de tes comptes. Parce qu'un jour Jésus se lèvera, c'est ton créancier. Tu as été le créancier de ton frère, ta soeur. Et quand tu tiens compte par ressentiment, amertume, aigreur, ton frère et ta soeur, parce qu'il t'a fait quelque chose, tu tiens dans un registre de compte aussi. Tu deviens son créancier, deviens ton débiteur. Alléluia. Mais quand tu pèches, tu deviens aussi un débiteur de Jésus et deviens aussi ton créancier. Donc le Seigneur est en train de nous illustrer ça. L'équation du pardon dans les deux parties. Donc c'est pareil pour nous. Amen. Continuons. Alors profite. Parce que je disais bien souvent, on choisit la tête de qui on doit aimer dans l'église. On choisit la tête de qui doit être mon frère ou ma soeur de l'église. Je parle en général, hein. Pas il dit après, écoute là, frère, ou soeur, à part qu'il a dit pasteur là, viens moi. Que moi, qu'a choisi, c'est moi, frère, moi. Si tu es dans le lot, tu choisis ton frère et ta soeur dans l'église, eh bien, glorifie le Saint-Esprit parce qu'il a parlé à ton cœur ce matin. Mais personne n'est venu voir le pasteur Manuel à ton égard. Alors, glorifie le Seigneur si tu es dans le cas. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il veut, moi, avant? Alléluia. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Quand la parole est prêchée, il y a des remue-ménages qui se font dans les cœurs parce que le Saint-Esprit est là pour rétablir toutes choses. Alléluia. Alors, laisse-le rétablir toutes choses. Parce qu'il veut aujourd'hui défricher le terrain du cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de cœurs de chrétiens qui sont en friche parce qu'ils n'arrivent pas à gérer cette situation. Amen. Remets-leur, Seigneur. Il va le gérer avec toi. Donc maintenant, nous revenons aux paraboles. À l'intervalle régulier, ceux qui demandaient compte de leur gestion. Alléluia. Donc ça pouvait prendre 2 ans, 3 ans. Et le roi venait et il rendait compte. Alors parfois, ses serviteurs pensaient parfois que le roi va fermer les yeux sur cela, ainsi de suite. Et maintenant, à son grand étonnement, le roi se rend compte d'un malaise. Et le Seigneur, notre Père, aussi nous traite de la sorte. Il laisse accumuler des choses. Le Seigneur nous laisse faire parfois. Et à un moment donné, le Seigneur va nous ramener à la raison. Parce que vous savez, notez un verset qui me vient, c'est dans Deutéronome, chapitre 29, verset 19. Dieu parle à son peuple. Il dit que personne, après avoir écouté les paroles de l'alliance, tu es dans une alliance, je suis dans une alliance, après avoir écouté les paroles de l'alliance, ratifié avec serment,
frères et sœurs, me disent jouer la paix. Alléluia. C'est pas parce que tu es sous l'alliance de Dieu, de Jésus, tu vas proclamer que tu as la paix. Que personne ne dise, après avoir entendu les paroles de l'alliance contractées avec serment, j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. J'aurai la paix quand même. Je suivais les penchants de mon cœur. On prémédite. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Quand le Seigneur veut te faire revenir pour boire quelque chose, ne rentre pas dans l'ivresse. Fais comme si tu es un homme, une femme insensée. Qui a la folie dans ton cœur, fais comme si tu ne veux pas boire ce qu'il veut te donner boire. Mais que personne ne dise, parce que la sanction est décrite après. Amen. Donc, il faut suivre les conditions du royaume de Dieu. Et ce que je vous prêche, c'est la condition sine qua non du royaume de Dieu pour être pardonné et en définitive recevoir l'héritage éternel. Donc, à intervalles réguliers, le roi demandait compte à leur gestion. À ses fonctionnaires supérieurs. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte des détournements de fonds de cet homme s'étant rendu coupable. Frères et sœurs. Mais pour qu'une telle somme soit pareille, soit due, il devait s'être passé plusieurs années avant le roi ait demandé des comptes à son serviteur. Et c'est nous aussi, Dieu nous laisse faire. Vous savez, la parole de Dieu, elle ne revient point à Dieu sans accomplir son dessein. La parole de Dieu ne revient point sans accomplir son dessein. Son dessein s'accomplira. Si on obéit, on aura les bienfaits. Si on désobéit, on aura les méfaits. C'est un ou l'autre. Sa parole ne revient point sans avoir accompli son dessein. Il a dit, de même, la pluie et la neige descendent des cieux, ne retournent point sans avoir arrosé les semences, fait croître, donné du pain à celui qui mange, et la semence au semeur. C'est ainsi qu'est ma parole. Elle ne retourne à moi point avoir exécuté ma volonté, accomplir son dessein. C'est la même réalité. Amen. Les effets se feront toujours. Jésus l'a dit, succinctement, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera baptisé. Pardon. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Un point, c'est tout. Donc, frères et sœurs, cette parabole nous fait voir qu'on n'a jamais tendance à revenir à Dieu et l'immensité de nos dettes que nous avons contractées envers Dieu. Tant tu peux arrêter avec un conflit, très tôt arrête avec ce conflit. Parce que tu vas t'embarquer dans un véhicule qui te sera difficile de sauter après. Ne laisse pas le diable t'embarquer dans ce véhicule. Alléluia. Parce qu'il va t'emmener. Ceux et celles qui ne pardonnent pas, frères et sœurs, regardez leur vie. Vous allez voir. Ce sont des gens malheureuses, superstitieuses. Ils vivent avec du ressentiment. Ils font fuir les gens à leur entourage.
et il se trouve seul, sans amis. Des gens qui ne pardonnent pas. Parce que c'est ça leur cœur présente. Ça fait fuir. Est-ce que ça, c'est le parfum de Jésus pour toi, né de nouveau, mon frère, ma soeur? Un parfum qui doit attirer et non un parfum qui doit faire fuir. Changeons de parfum ce matin. Alléluia. Parce que Dieu nous dit, nous devons répondre en tout lieu. Il répond par nous et en tout lieu un parfum agréable. Il y a un verset qui me vient. J'espère que c'est... Voilà. Pendant que je vous parlais, il y a ce verset qui m'est venu. Prenons, ne perdons pas Matthieu 18, prenons 1 Corinthiens 6. Verset 7. C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns envers les autres. Pourquoi ne souffriez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? C'est ça que Jésus explique dans Matthieu 5. Si on a un procès contre toi, on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Pourquoi ne subissez pas une injustice? Ça veut dire, perds ta raison pour arrêter un conflit. C'est ce que ça veut dire. Pourquoi ne vous laissez-vous pas dépouiller? Te dépouiller de ta raison. Arrête avec ça. Toi qui es spirituel, ton frère peut-être est spirituellement est plus faible que toi. Arrête avec toi à ça. Laisse-toi dépouiller. Alléluia. L'apôtre Paul le dit. Il savait ce qu'il disait. Il vivait ce qu'il prêchait. Parce combien de fois l'apôtre Paul s'est laissé dépouiller de la justice qu'il manifestait à l'égard de ceux qui le maltraitaient. Mais il faisait tout et considérait tout en tout pour gagner. Lui, c'était gagné. Hein? C'est un gagneur d'âme. Ce n'était pas un perdeur d'âme. Est-ce que tu es un gagneur d'âme ou un perdeur d'âme? Combien d'âmes tu as déjà fait fuir l'Église? Frères et sœurs, par rapport à l'état de ton cœur qui ne pardonne pas. Est-ce que ça, tu gagnes des âmes ou tu perds des âmes? Le Seigneur te parle ce matin. Il me parle ce matin. Soyons des gagneurs d'âmes. Pour gagner des âmes, il faut souffrir. Il faut te laisser parfois dépouiller. Perdre ta raison. Et finir avec ça. Non, j'ai droit, j'ai raison. Faut venir, j'ai raison. Notre justice, c'est quoi? C'est un seul vêtement souillé, la Bible dit. Laissons Jésus faire justice. Alléluia. Pourquoi vous laissez-vous pas dépouiller? Ou ne subissez pas une injustice? Il y a une gloire qui t'attend là-haut. Nous voulons être populaires. Vous savez, la popularité de Job, c'était sa souffrance. C'est ça qui a rendu Job populaire. On a écrit un livre sur Job. Il y a un livre entier qui a été écrit sur Job. Comment? Parce qu'il n'est pas un... Ce n'était pas parce qu'il a fait des miracles, des choses comme ça. Pour sa persévérance dans l'affliction de la souffrance. On est venu l'accabler, forcément. On lui a cité les paroles de la Bible pour le montrer qu'il était dans le péché, qu'il était dans l'erreur. On a écrit un livre sur Job par sa détermination de subir pour le Seigneur et de lui être agréable.
Alléluia. Bien souvent, ce sont tes ennemis, nos ennemis qui nous rendent célèbres. Parce qu'on apprend qui on est. Les gens qui ont subi des maltraitances, des euros, ainsi de suite, on a écrit sur eux par rapport à les afflictions. Leurs ennemis ont été un sujet de gloire pour eux. Laisse tes ennemis te porter dans la gloire. Ne refuse pas cette gloire. Parce que le Seigneur veut écrire de toi. Alléluia. Laisse Jésus. Jésus aussi est en train d'écrire un livre sur toi, mon frère, ma soeur. Laisse-le l'écrire. Il a écrit un livre sur Job. Mais il n'a pas changé. Il est en train d'écrire un livre sur toi aussi au ciel. Un jour, quand nous serons là-haut, nous serons surpris quand le Seigneur va nous montrer un livre qu'il a écrit sur nous aussi par rapport à nos souffrances, par rapport aux larmes qu'il a recueillies dans une outre qu'il a stockée là-haut des larmes que nous avons jetées. Il a dit, il recueille les larmes et les stocke dans une outre là-haut. Ça a de le poids, ça a de la valeur. Frères et sœurs, de subir l'injustice en gardant le silence, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est donné à un chrétien, un enfant du royaume, né de nouveau, qui est modulé par l'amour agapé du Saint-Esprit qui vit en lui et qui vit en elle. Pourquoi vous ne laissez-vous pas dépouiller? Alléluia. Procès. Paul a dit, hein, si vous vous mordez, vous dévorez les uns des autres. Prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Ce n'est pas aujourd'hui, ça arrive. Au temps de Paul, ça arrivait. Regardez, procès. Entre frères et sœurs. Vous avez caché, monde du dehors, pour régler le conflit à vous, des païens. C'est ce que Paul déplore. Ils disent, ils n'ont pas honte. Non seulement ils ont une mauvaise situation déguisée, ces païens sont qu'ils prennent pour juge. Or, vous avez de quoi à gérer la situation. Mais au lieu de avoir la paix de raison à autres, ils arrêtent de faire ça. Vous prenez les gens du dehors pour plaider votre cause entre frères et sœurs quand il y a un problème. Qu'est-ce que le païen peut apporter? Il n'a pas l'esprit de Dieu, mais il va embrouiller la situation. Et le diable va l'utiliser. Comme le diable utilise un non-croyant dans un couple pour troubler le mariage. C'est la même réalité. Le diable a demandé plus que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir un avocat quand c'est nécessaire. Je parle d'une chose bien, le contexte de Paul, je parle. Quand il y a un conflit, mon frère n'a pas dit nous bonjour, nous cherchons pas rien pour régler le problème là, ça. Frères et sœurs. Amen. Un frère est venu là, il s'est assis sur ta place un jour dimanche. Parce qu'il arrive en retard. Eh bien, tu n'avais qu'à ne pas arriver en retard. Dieu est en train de te parler. Mais cette soif n'ajoute pas l'ivresse. Admette-le. Amen. J'espère que ce n'est pas ton cas non plus. Pas dit, c'est vous qui avez dit pasteur là, qui a mal gardé celle-là, il faut aller prendre place en moi. J'espère que ce n'est pas le cas. Je prends des exemples qui me viennent. Amen. Alors, ton frère et ta soeur, tu as pris ta place habituelle, tu vas prendre un païen dehors pour régler ce problème. Au lieu de venir, frère, excusez-moi, tu as tellement aimé place là, ça, à ta vraie bien aimé. Est-ce que tu peux peut-être laisser bon moi la prochaine fois? Alors, au lieu de dire ça, au cas de Yamelsin, au cas de païen pour régler le problème là, ça? C'est ça que Paul explique, hein, frères et sœurs. Il ne parle pas de contexte. Si on te fait du tort, ainsi de suite, des injustices, des tournements de fond, tu as droit d'avoir un avocat. Oui, parce que la Bible dit Dieu a établi des magistrats pour punir les malfaiteurs. Amen. Ça, c'est autre chose. Donc nous parlons en contexte familial dans l'Église. Amen.
Au verset 24, revenons à Matthieu 18. Au verset 24, 10 000 talents correspondent à 60 millions de francs or. Francs or, hein? Et 100 pièces d'argent à quelques 100 francs or. Frères et sœurs. Le premier serviteur de cette parabole devait en euros aujourd'hui 5 millions d'euros. 10 000 talents, frères et sœurs. Dieu nous montre, frères et sœurs, nos péchés. Vous savez l'offense qui a permis que Dieu nous grâce de tous les péchés que nous avons commis. Le jour nous l'acceptons. Amen. Mais Dieu nous montre que un ou deux offenses, péchés que notre prochain nous fait subir, nous sommes incapables. Vous voyez la proportion entre 5 millions et 10 euros, frères et sœurs. Il y a vraiment une fossée, on ne peut pas combler. Dieu nous montre ce qu'il a fait pour nous. Si Dieu nous demandait de régler cette dette, qui aurait pu? Il nous l'a accordé gratuitement. Maintenant, l'autre serviteur, il lui demande de lui faire grâce. La Bible nous dit, il demande les mêmes grâces. Je te paierai, attends, sois patient avec moi. 100 deniers seulement. Alléluia. Et nous avons vu la suite. C'est pour cela que la Bible dit, accorde-toi avec ton adversaire pendant que vous êtes en chemin. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que vous êtes en chemin. Il y a un temps pour t'accorder. Donc, frères et sœurs, c'est cette réalité. Le roi demande à rendre compte et il se rend compte de l'immensité des détournements des fonds que le premier serviteur a empochés. Donc c'est la même réalité. Le Seigneur nous attend aussi. Cesse de ne pas remettre les fautes et passer sous les offenses de ton frère et ta soeur, de ton prochain. C'est la même réalité. Tu vas accumuler des dettes et ça deviendra un fardeau pour toi. Quand tu vas commencer à avoir des ressentiments vers une personne, pour te protéger, tu vas avoir deux ou trois personnes pour fomenter une conspiration contre lui ou elle. Et voici comment les racines et les rejets commencent à se faire et beaucoup commenceront à être infectés. Alors mieux vaut que tu te présentes devant Dieu et remets le registre de tes comptes à jour. Ça veut dire efface et pardonne. Pour que lorsque tu viens devant Dieu, il voit ton cœur vrai et net. Tu pardonnes comme il le demande. Et lui, en retour, il te pardonnera. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas comment ils n'avancent pas, comment le diable les tient. C'est normal. C'est parce que peut-être nous avons certaines personnes, nous n'arrivons pas à pardonner ou nous refusons à pardonner. Et le diable a droit sur nous.
Et il a le droit de nous tenir. Parce qu'il sait, Jésus dit, que si vous ne pardonnez pas, il ne pardonnera pas. Et il sait aussi, la Bible dit, de peur que tu sois livré par le juge et te pousse et te jette en prison par les bourreaux et te fait rendre tout ce que tu dois jusqu'au dernier cadran. Alors Jésus dit, accorde-toi avec ton adversaire pendant il est temps. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre pour conclure 1 Corinthiens chapitre 13. Un Corinthiens chapitre 13. Nous n'allons pas tout prendre. Ça, c'est quand tu as un procès avec ton frère et ta soeur, tu vas frapper à cette porte. N'oublie pas, Jésus a dit que quand tu es debout et tu fais ta prière, et pendant que tu fais ta prière, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Pardonne-lui. Amen. Et il a dit aussi que lorsque tu viens à l'autel porter ton offrande, que si tu as quelque chose contre ton frère. Il dit pas si ton frère a quelque chose contre toi. Mais tu te rappelles que tu as quelque chose contre ton frère. Va d'abord te réconcilier avec lui. Et ensuite viens et apporte ton offrande. L'offrande, il s'appelle financière, oui. Certes, mais ça peut être aussi une requête que tu demandes au pasteur, à l'église, d'élever la voix devant le trône pour toi. Ça peut être une situation que tu présentes comme dossier au Seigneur dans la prière personnelle. Ça peut être une offrande aussi. Dieu te dit, quand tu viens, tu fais une offrande, tu te rappelles, tu te souviens, tu as quelque chose contre ton frère. Ce n'est pas ton frère, quelque chose contre toi, parce que c'est facile. Si tu te rappelles ton frère, quelque chose contre toi, c'est plus facile. Je ne dis pas c'est facile, c'est plus facile d'aller, même avec hypocrisie parfois, dire oui, parce qu'en retour, on sait qu'on perdra notre bénéfice.
Donc on vient. Mais quand c'est nous, nous nous souvenons que nous avons quelque chose contre lui, alors c'est nous aller vers lui. Et bien souvent, cette quelque chose contre lui, c'est quoi? C'est peut-être nous pas éviter, nous pas besoin de dire bonjour, parce que nous pas changer un jour, ça a été fait nous. Et nous pouvons jamais régler ça. Alors c'est resté là. On n'a jamais pu laver cette offense dans le lavement des pieds. En préambule, j'ai expliqué quand Jésus faisait le lavement des pieds. Parce que ça sent mauvais. Des offenses sentent mauvais parfois. Alors on a retenu ça. Mais Dieu te dit que si tu te souviens, tu as quelque chose contre ton frère. Parce que tu avais fait quelque chose et ça sent mauvais pour toi toujours. Alors va te réconcilier avant. Frères et sœurs, le Seigneur a mis de façon, nous pas ni point esquisse. Nous vont aille. Nous pas ni point esquisse. C'est comme si le Seigneur a dit, arrangez situation, arrangez-vous. Je ne veux rien entendre. Vous avez tout pour y arriver. Verset 5. Donc, monsieur Lameau, frappe à cette porte, la porte de monsieur Lameau. 1 Corinthiens 13. Tu vas voir, il ne va pas te donner aucune solution pour ne pas te réconcilier. Pour ne pas rester dans l'amour. Bon, il s'appelle l'amour, monsieur l'amour. Il ne peut pas t'inviter à aucune autre chose qui n'est pas l'amour. Il s'appelle la porte de monsieur l'amour. 1 Corinthiens 13. Quand tu as un conflit, frappe à cette porte. Et regarde ce qu'il te dit. Alléluia. Il te dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. On t'a fait du tort. Ça t'a fait mal. Tu n'arrives pas à guérir. Patient. Tu ne peux pas aller le voir. Tu ne peux pas aller la voir. Patiente. Je vais te guérir ton cœur. Si tu le veux, je te permettrai d'aller. Qu'est-ce qui empêche un chrétien de déployer ses ailes et de poursuivre par la grâce du Seigneur? C'est parce que ses ailes sont blessées. Il y a des blessures. Les ailes sont blessées et on ne peut pas les déployer. Comme l'aigle. Il dit, nous raffermira comme l'aigle. Nos ailes sont blessées, on ne peut pas les déployer. On ne va pas plus loin. On ne peut pas sortir dans une situation, on ne peut pas voler. Nos ailes sont blessées, les blessures du cœur, les blessures des offenses. L'amour est patient. Donc si c'était pour lister tout, c'est un enseignement sur cela, ça fera l'objet d'un enseignement, mais je m'arrête sur le verset 5. Il ne soupçonne point le mal. Alléluia. Ce mot qui est traduit par soupçonne ou imputé, dans le grec, c'est un terme de comptabilité qui signifie calculer, tenir compte de. C'est le mot logizomai. C'est un mot qui est sorti dans le domaine de la comptabilité. Dieu nous dit que l'amour ne comptabilise pas les fautes et les offenses. Alléluia. Pourquoi il y a tant de mariages qui sont brisés par le divorce? C'est parce que lorsqu'il y avait des conflits, on a commencé à ouvrir le tiroir de nos cœurs. Et on a commencé à inscrire les offenses comme dans un registre de comptabilité. Pour les garder, et au moment opportun, on les ouvre, et on dit, tu te rappelles, 15 ans c'est déjà passé, tu m'avais giflé, 15 ans écoulés.
Le conjoint, la conjointe fait quelque chose, tu te rappelles, tu m'avais fait ça. 15 ans passés, c'est encore inscrit. Comptabilise, l'amour ne comptabilise pas les fautes. Si tu les avais effacées, ils ne seraient pas là. Tu ne serais pas revenu. Et quelle est la pire des choses qui peut détruire un foyer, c'est les rappels des fautes. Je ne vous apprends rien. L'abbé dit, celui qui méprise Proverbe, son prochain est un insensé, un homme dépourvu de sens. Celui qui calomnie dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle se cache, les cache. L'amour couvre une multitude de péchés. Un homme querelleux excite la colère. Le mot homme dans ce mot grec veut dire être humain, qui veut dire aussi l'homme que la femme. Il y a deux mots hébreux qui sont traduits par homme. Il y a un mot hébreu, quand c'est homme, ça veut dire être masculin. Et il y a un deuxième mot hébreu qui veut dire l'être humain. Ça veut dire ce mot décrit aussi bien l'homme que la femme. Un homme courageux, querelleux, excite la colère. Alléluia. Mais quand il n'y a pas de rapporteur, la querelle s'apaise. Car le charbon produit un brasier. Et le feu produit, le bois produit du feu. Manque de bois, le feu s'éteint. Voici ce que dit la recette dans un conflit. Dans un conflit de cour, ne vous fâchez jamais les deux en même temps. Ça va embraser. N'apporte pas du feu dans le brasier. Quand un a déjà allumé le brasier dans des disputes, n'apporte pas d'autres combustibles. Vous savez pourquoi un feu, à quel moment un feu s'éteint? C'est lorsqu'il n'y a plus de combustible. À un moment donné, le feu va s'éteindre. Manque de bois, le feu s'éteint. C'est pour ça que la Bible dit un homme querelleux échauffe une dispute. Alléluia. Laissez un se défouler, l'autre garde le silence. Quand il aura fini, peut-être, vas-y. Si tu ne peux pas, garde le silence total et mets un point sur cette situation. Laisse-toi dépouiller. Laisse-toi subir une injustice comme un Corinthiens 6. C'est ce qui a détruit beaucoup de mariages. À 90%, le non-pardon. On ne veut pas pardonner. Tu m'as fait ça, je vais te surveiller. Je vais te rendre la même chose. Tu m'as fait ça, je vais me venger. Parce qu'on a un registre de compte dans le cœur. L'amour ne comptabilise pas les fautes. Alléluia. Et si tu n'arrives pas à mettre ton registre de ta comptabilité des comptes, des offenses de tes débiteurs, ton frère, ta soeur, ton prochain, Jésus aussi ne va pas mettre à zéro, à jour, le registre ou enregistrer tes offenses que toi tu lui fais. Ce sera aussi pardon pour pardon. Alléluia. Donc ce mot grec, en conclusion, veut dire calculer, tenir compte de. Alléluia, c'est ça que ça veut dire.
ne soupçonne pas. C'est peut-être une mauvaise traduction. Alléluia. Mais dans le grec, c'est le mot logizomai, ça veut dire calculer, tenir compte de. C'était comme un grand registre, un grand livre de compte. Le but de cette inscription est d'avoir un souvenir permanent qui puisse être consulté au besoin. C'est normal. Dans la comptabilité, c'est normal. C'est un mot de comptabilité. C'est normal. Un secrétaire note. Et ça reste là. Après des années, on ne se rappelle plus, on ouvre et on consulte. Mais la Bible fait le parallèle avec nous. Ça ne doit pas être un registre de compte dans nos cœurs. Parce que Habacuc nous dit que malheur à celui qui accumule les dettes dans son registre de compte de son cœur. Parce que Jésus, notre créancier, va se réveiller subitement un jour, comme le roi dans Matthieu 18. Il attend des années coulées et fait rendre compte. Le Seigneur va nous faire rendre compte aujourd'hui. Si Jésus te faisait rendre compte aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dans quel registre tu serais? Si Jésus venait aujourd'hui te faire rendre compte maintenant, avant que tu entendes ce message, dans quel registre que ton cœur est? Le registre de zéro, tu as mis le compte à zéro, ou un compte de comptabilité? Et tu ne peux pas commencer, finir, parce qu'il y a tellement à lire. Il y a tellement à lire. Comme je disais dimanche, on traîne des fardeaux inutilement. Ce registre est tellement rempli qu'on marche avec un fardeau pesant inutilement. Pourquoi on ne veut pas perdre? On ne veut pas perdre. Une raison. Combien de raisons Jésus a perdu pour gagner? Perdons pour gagner. Avec le monde donné, c'est perdre. Mais avec le royaume de Jésus, donner, c'est gagner. Donne ta raison, gagne quelqu'un qui a tort. Voici l'échange que Jésus a fait, frères et sœurs. En conclusion, vous savez, l'amour ne se décrit pas. Ce n'est pas la peine de dire j'ai l'amour, j'aime. L'amour se définit, ne se définit pas, mais l'amour se vit et se pratique. Alléluia. Et tu sais, l'instrument qui mesure le degré de ton amour, c'est la rapidité de courir pour pardonner. C'est ça qui définit vraiment si tu aimes ou pas. Combien parmi le peuple de Dieu qui a ces promptitudes pour pardonner, avoir une disposition, une bonne disposition pour cela, et non réfractaire. C'est ça que Jésus veut, et c'est ça que Jésus viendra chercher, une telle église. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, sois celui ou celle qui a choisi de mettre à jour ton registre de compte qui est demandé par Monsieur l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 13, 5. L'amour ne comptabilise pas les fautes. Alléluia. Il m'a fait ça, oui, mais c'est difficile. L'amour ne comptabilise pas les fautes. Voici ce que Jésus te dira.
quand tu viendras lui dire oui, mais, il te dira, il n'y a pas oui, mais, ma parole dit que l'amour ne comptabilise pas les fautes. Veux-tu aller avancer, continuer à avancer avec moi? Alors mets en pratique. Afin que moi je détruis aussi. Et je mette ton registre à zéro aussi. Parce que ça m'empêche de t'exaucer. Parce que toi, tu ne libères pas tes débiteurs. Alors tu pries aussi dans le même engrenage. Alors ce matin, si tu veux donner, dois à Jésus de mettre ton registre de compte à zéro. Ma prière ce matin, que tous ceux et celles qui veulent vraiment, le Seigneur fait grâce ce matin. Si tu le désires, il te le fera. Et il y a ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Il y a ceux, ils veulent pardonner, mais ils n'arrivent pas. Il y a ceux qui ne veulent pas pardonner, bien qu'ils peuvent, mais ils ne veulent pas. Tous les cas cumulés ce matin, je vais te demander, si tu es dans un des cas, et dans des cas que moi, je n'ai pas définis, mets-toi debout. Et je vais prier, demander la grâce du Seigneur, afin que tu sois délivré, libérer ton cœur pour toujours. Ce n'est pas moi qui fera, mais le Seigneur fera. N'ayez aucune honte à cela. C'est peut-être de la motivation de la chair, à cause de la faiblesse de la chair. Mais le Seigneur veut libérer ce matin. Alors tiens-toi debout, et je vais prier. Et le Seigneur va te libérer. Ferme tes yeux. Père éternel, je te demande, Seigneur, grâce, mon Dieu, pour ton peuple. Car je ne voudrais pas, Seigneur, que cet enseignement soit rendu vain à l'égard de quiconque. Se trouvant, Seigneur, dans ce domaine que tu nous as prescrit à traiter individuellement et collectivement. Merci, mon Dieu, de permettre que chacun, chacune, ont réagi positivement. Car ils sont conscients, Seigneur, c'est une réalité et c'est un besoin. Pour toucher, Seigneur, ton cœur, en les libérant de toute offense, Seigneur, chaque jour, afin qu'ils ne soient point accumulés dans un registre là-haut. Ils veulent ce matin, mon Dieu, partir dans ce lieu libéré. Et tu es là pour cela, car tu l'as inspiré pour ta main invisible puisse passer ce matin dans les cœurs et appauvrir tout ressentiment de rejet, d'affectation, de rancune, de rancœur, sinon de haine. Car tu ne voudrais pas que ces choses arrivent et demeurent dans la vie de tes enfants. C'est pour cela, Seigneur, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Seigneur, ce matin. Ils se mettent sous ta providence, de ta main secourante. Je te bénis, Seigneur, pour la délivrance que tu accorderas. Je te bénis, Seigneur, pour la guérison que tu accorderas. Car tu as dit, tu envoies ta parole et tu guéris, Seigneur. Que ce matin, mon Dieu, tu guéris un cœur. Tu arraches, Seigneur, dans les cœurs, toute amertume,
toute animosité, tout rancœur, tout ressentiment, Seigneur, qui les a mis hors du banc de l'amour que tu cherches en eux. Que ce matin, mon Dieu, que ton amour prenne sa place. Que ton amour, mon Dieu, prenne ta place, Seigneur, qu'il a perdu pour seul qu'on est pendant longtemps. Mais Seigneur, ce matin, permets à mes frères, à mes sœurs de réagir, Seigneur. Car tu as parlé et tu veux arracher, Seigneur. Que chacun, Seigneur, qui s'est mis debout, ne puisse point partir, mon Dieu, sans la délivrance que tu les accordes ce matin. Que ta volonté se fasse, mon Dieu. Alors, mon Dieu, libère et agis, Seigneur, selon la loi de ta grâce. Je bénis ton Saint-Nom, car tu es en train de faire une œuvre. Je ressens ta main, mon Dieu, qui parcourt ce lieu, car tu veux arracher. Que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent, que les cœurs s'ouvrent. Laisse l'Éternel, la main de Dieu rentre, laisse-le arracher. Toi qui n'as jamais pu aujourd'hui pardonner, tu sortiras et tu apprendras à pardonner. Il y a une main qui passe, c'est la main de Jésus. Ouvre ton cœur, laisse Jésus rentrer, laisse souper avec toi. Il veut arracher tout poison de l'ennemi, car il veut te rendre malheureuse. Il veut te rendre malheureux. Laisse-le arracher le poison de l'ennemi, car le diable a prévu de te tenir captif pour te rendre malheureux, pour te rendre malheureuse. Mais moi, je veux ta joie. Je veux ta joie, car je dis dans ma parole, soyez toujours joyeux. Ne laisse pas le ressentiment, ne laisse pas la rancune, ne laisse pas le non-pardon. Retirez cette joie que je t'ai donnée. Je te donne maintenant la possibilité. Laisse-moi le faire. Laisse-moi prendre tes souffrances. Laisse-moi arracher, détruire le livre, le tiroir de ton cœur. Laisse-moi le retirer. Dis-moi simplement tu le veux. Je le retire ce matin. Dis-moi simplement que tu veux que je l'arrache. Je le retire ce matin dans ton cœur. À toi de choisir maintenant. Tu me dis oui, je le fais. À moins que tu veux rester dans ton état. Mais je ne crois pas. Si tu t'es mis debout, c'est pour que tu changes d'avis envers le ressentiment. Laisse la main de Jésus. Jésus parcourt ce lieu. Laisse la main de Jésus faire son œuvre. Il te touchera et tu sentiras la paix s'installer. Il y a un cœur maintenant, le Seigneur me montre. Jésus va toucher un cœur. La paix va s'installer, la paix qui surpasse tout entendement va s'installer pour toujours maintenant, car il prendra la place. Il prendra sa place, il reprendra la place qu'il avait perdue dans le cœur. Il prend la place maintenant. Il retire. Il vide la coupe. Il vide cette coupe d'amertume. Il vide la coupe d'amertume. Laisse le Seigneur, toi qui es concerné, vider ce coupe d'amertume. Et le remplit. Le remplit. Il le remplit par son pardon. Par la réconciliation. Il le remplit. Laisse-toi remplir. Laisse ton cœur rempli ce matin. Laisse ton cœur rempli par l'Éternel. Ne passe pas à côté de cette bénédiction que le Seigneur t'accorde ce matin. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Libère et fais justice. Libère et fais justice. Libère
et fais justice. Et il y a quelqu'un dans cette salle. Pendant même le Seigneur est en train de te délivrer, tu es en train de te poser une question. Mais il y a quelque chose qu'on m'a fait dans le passé. Je ne veux pas, j'avais pas oublié. Le Seigneur te dit, oublie aujourd'hui ou plus que jamais. Le Seigneur te dit, oublie aujourd'hui. Je te donne l'opportunité d'oublier aujourd'hui. Si tu ne le saisis pas, tu ne sais pas demain. Alors laisse-moi retirer cette épine dans ton cœur et oublie aujourd'hui. Je te l'ordonne maintenant. Je te l'ordonne maintenant. C'est plus que jamais. Maintenant ou à jamais. Ma parole t'a donné cette opportunité. Si tu ne la saisis pas, tu ne sais pas demain si je te donnais cette opportunité. Alors laisse-moi l'arracher. C'est moi qui le prends. Comment te dis-moi, tu me dis que non, ce n'est pas possible. C'est moi qui le fais pour l'amour de mon nom. Alors laisse-moi agir. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Qui aurait pu faire cela sinon toi? Qui aurait pu défricher le terrain sinon ta main? Maintenant avec moi, ceux qui se sont mis debout et ceux qui ne se sont pas mis debout vont prier maintenant. Merci Seigneur. Je bénis et je remercie le Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui m'a délivré, celui qui m'a pardonné et celui qui me demande de pardonner et aussi d'oublier. Je te remercie, mon Dieu, car je suis entré dans ce lieu avec le cœur rempli. Mais je repars de ce lieu avec le cœur vide. Mon registre de compte a été détruit. Maintenant, Seigneur, je pars avec un nouveau départ avec toi. Car je sais aussi, tu as mis mon registre à jour. Mon compte à zéro d'offense. Alors j'ai la joie de continuer maintenant à marcher dans cette voie, la voie du pardon, la voie de la réconciliation. Car toi, Éternel, tu as réconcilié le monde dans la mort de Jésus. Et tu veux que nous soyons les uns les autres réconciliés. C'est pour cela que tu m'as donné le ministère de la réconciliation. Je la saisis. Et dorénavant, tu m'as accordé la force d'aller voir mon frère, d'aller voir ma soeur et de régler toute situation et demander pardon. Tu me donnes la force de pardonner, même si mon frère, ma soeur, celui qui m'a offensé, ne fait pas le premier. Alors Père, je te remercie et je pars béni. Merci encore pour la grâce du ciel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Retiens et garde ta bénédiction.